Salut à toutes et à tous, c'est Goto de New World. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les 6 dernières missions de la catégorie 10. Si vous avez déjà fait la recherche du Tombéry et le secret du Pampa, vous allez pouvoir terminer cette grande catégorie, ça vous en fera une de plus et ça fait plaisir. Donc c'est parti, on va s'attaquer à la mission 10-3-1, les vacances, pas de cartes, c'est que du combat. Donc là ce que je vous recommande c'est toujours la matéria barrière physique qui va grandement vous aider. Alors ça c'est vraiment toujours formidable. Et ensuite voilà, ça va être que du fight, donc n'hésitez pas à prendre une matéria extra feu et à la rigueur quelque chose pour booster votre force si vous voulez. On est parti. Donc vous allez voir, c'est du classique. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Je pense qu'ils avaient besoin de remettre Zack en maillot de bain. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Et vous voyez qu'ils ont récup. Donc là, faut se méfier. C'est pour ça qu'il va falloir faire un maximum de dégâts. La barrière physique, vous voyez, elle est pas essentielle. Mais si vous voyez que vous prenez trop de coups avec les tirs, faut vraiment pas hésiter à les lancer comme ça. Je trouve ça vraiment cool, on a des petites scènes supplémentaires. Bon voilà, c'est pas quelque chose de folichon et d'incroyable, mais ça fait vraiment plaisir. Ce sera ma miniature, ça, Zack en train de squatter. Donc voilà, une petite mission supplémentaire, on chope une matière obscure. Les matières obscures, c'est pour la fusion de matériel. Vous pouvez les retrouver ici. Alors, vous voyez, ce sera pour augmenter de magie plus 1. N'hésitez pas à vous en servir. Hein, sincèrement, j'ai fait des vidéos sur les fusions de matériel. Vous prenez vos matérias feu, par exemple votre matériel extra feu dont je vous demande de vous servir depuis un paquet de temps. Vous mettez ça, et là vous mettez justement vos matières obscures. Et vous allez voir qu'avec magie plus 30 déjà, vous allez faire beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Et là ça va déjà être très intéressant en termes de missions. Bon là c'est vraiment des missions qui sont vraiment cheap, on a éliminé 3 ennemis et c'est déjà fini. On se retrouve tout de suite pour la prochaine, et je vous donnerai un maximum de conseils. Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus complexe bien entendu.